remercier Raika, tout ce qu'elle a fait pour cette vidéo. Donc elle a fait le décor, elle a colorié le personnage, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Donc je la remercie énormément et vraiment, mais remercie-la aussi parce qu'elle le mérite largement. Donc je vous laisse avec la suite de la FAQ. Bisous. Alors, les questions qui viennent d'ajouter, donc on va commencer par Pote Nocturne. Alors, les premières questions ont déjà été dites, donc c'est quand ton anniv? Mon anniversaire c'est le 12 janvier, le 12 janvier! Retenez-le! 12! Souhaitez-lui, s'il vous plaît. Tous. Les incite pas après, ils vont pas pouvoir le faire. Mais si, ils le feront parce que sinon ça va barder. Ensuite, question de Frozen Angel. Veux-tu un câlin? Toujours. Pourquoi as-tu une si jolie voix? Parce que je suis née comme ça. Est-ce que tu aimes les frites? Pas trop. Je t'adore. Merci. C'est mignon. Merci beaucoup Frozen Angel, je te fais un gros câlin mignon parce que tu es vraiment très gentille. Voilà, petite dédicace. Trop bien. Alors, question de Plume Lunaire. Depuis quand tu fais du numérique? Eh ben depuis Noël dernier, en fait parce que j'ai eu ma tablette à ce moment-là, tout simplement. Elle y arrive toujours plus vite que moi alors que j'ai eu avant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner? Moi. En partie. Non, en fait, j'ai pas vraiment eu d'envie de dessiner. Depuis toujours, même en maternelle, je dessinais beaucoup. Je lui ai donné un petit coup de boost au collège quand même. Oui, j'étais oui. Ta muse. Tu étais ma muse. J'ai toujours dessiné beaucoup, donc après ce qui m'a vraiment donné envie de dessiner, bah pas grand chose en fait, je sais même pas pourquoi je dessine. Question de cœur étoile, ou cœur étoilé, on sait pas. T'aimes bien le dessin? Bah oui, ça me semble un peu évident, avec tout le contenu que je publie. Mais bon, la question est légitime, donc j'y réponds. Question de Shadow Love, Wolf, je vous avais dit que j'étais nulle en anglais. Penses-tu aller loin sur YouTube? Bah j'en sais trop rien. Vu que j'ai jamais fait quelque chose dans le genre auparavant, je peux pas me comparer et je sais pas du tout jusqu'à où ça va aller et quelle ampleur ça va prendre. Mais pour l'instant, pour l'instant je m'amuse beaucoup sur cette chaîne, donc c'est le principal et puis on verra bien pour la suite. Pourquoi t'as 45 abonnés? Question de cœur étoilé, je pense. Ben parce que j'ai beaucoup de chance, certainement, parce que avoir une communauté comme la mienne, je trouve que c'est vraiment génial puisque vous êtes les plus adorables du monde. Et enfin bon, j'adore qui vous êtes et pourquoi vous me suivez, et puis voilà. Petite parenthèse, toutes les questions sur le Royaume de Feu, par exemple mon top 3 des personnages préférés et tout ça, bah je peux pas y répondre vu que j'ai jamais lu. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Pratiques-tu un sport? C'est marrant ça. Alors, l'ordinateur. Un sport à proprement parler, pas vraiment, mais ça m'arrive de faire du vélo des fois, et je sors parfois. Alors avec mon poids dessus, c'est un peu plus difficile, donc sachez que c'est quand même un sport. Oui, parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai dû la rapatrier chez moi sur mon porte-bagages. Donc, il y a beaucoup de montées, hein, c'est pour le savoir ça. Voilà. Donc oui, je fais du sport. quel est ton animal préféré? Eh bien je n'en ai pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup et faire un choix c'est pas... c'est vraiment pas la chose dont je suis vraiment la plus capable. Ils sont tous mignons, des otaries jusqu'au fac. Exactement. Donc faire un choix c'est un peu impossible. Jusqu'à où penses-tu avoir d'abonnés? Ben, je sais pas. Toi, tu vas être famous, hein. Tout dépend la taille de la communauté, parce que j'en ai vraiment aucune idée de combien il y a de gens qui sont fans de la guerre des clans, tout comme moi, et qui regardent et peuvent s'abonner à des chaînes comme la mienne. Donc, je ne sais pas, ça va être la surprise. Tu aimes les patates? Moi, j'adore les patates. Toujours de cœur des bois, la plaine en décor a-t-elle une symbolique? Très bonne question, auquel j'aurais bien voulu avoir une réponse aussi construite. Alors en fait, je pense que inconsciemment, j'ai voulu représenter Étoile Filante dans le territoire du clan du vent. Je pense que c'est surtout et avant tout parce que c'était plus facile à dessiner en fait. Donc, la réponse est un peu nulle pour une question vraiment pas mal. Donc je suis très déçue. Désolée. Fais-tu du roleplay LGDC? Si oui, sur quel serveur Discord, vidéo ou groupe? Non.
Juste non, je ne fais pas de roleplay LGDC. J'ai mon site avec une amie où on fait plus ou moins vaguement ça, mais ça se rapproche vraiment très très vaguement. Donc je peux pas dire que j'en fasse vraiment vraiment. Question de Loke Seke. Aimerais-tu être célèbre ? Ben, tout dépend dans quel cadre ça reste. Si ça va jusqu'au harcèlement de rue, non. Je pense que personne ne veut ça. Mais sinon, si vraiment personne ne sait qui je suis en vrai et que je garde mon anonymat, pourquoi pas ? Mais encore une fois, tout dépend de ce que je fais, comment je vais le faire, avec quelle qualité et qui va me suivre. Quel genre de musique écoutes-tu ? Un groupe en particulier ? J'écoute à peu près tout, tant que ça me plaît, que ce soit du rock, du folk, du classique, de l'orchestre. J'aime bien tous les groupes, enfin tous les styles, tant que c'est bien. Par exemple, le rap, il y a des très bonnes chansons, comme il y a des très mauvaises. En tout cas, j'aime bien tout. Je vous remercie grandement de m'avoir aidé à progresser sur YouTube, parce que grâce à vous, j'ai pu m'en sortir et sortir la FAQ 2. Donc vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Donc j'espère pouvoir faire une FAQ 3, peut-être avec vous, peut-être avec Reika, je ne sais pas encore. C'est un projet en début. On verra comment ça se déroule. Et puis voilà, j'ai quelques surprises pour la fin. attendez. Mangez la petite. Voilà, mais elle est surtout grande pour mon cœur. Le côté kitsch. Et du coup, ensemble, on va répondre aux questions que j'ai posées. Enfin, que tu as posées, oui, c'est tout un fil, bravo. Peut-être que pour... connais-tu... Mais putain, je respire pas. Je vais dire, ça fera un bon petit lien. Bah, recommence. Tu voudrais faire quoi plus tard ? Quels sont tes objets ? Putain ! Pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat ! Pain au chocolat, on recommence. Ok. Vas-y, t'enregistres. Également, j'aimerais que vous... Attends, 20 secondes, je mets en forme ma phrase. Salut, alors moi j'aimerais bien que vous... Non, ta gueule, putain, je sais pas le faire, fais-le toi. Si c'est qui... Et la foi, étoile bleue. Et la foi, étoile bleue. Non. Et la foi, étoile bleue. Et la foi, étoile bleue. Il y a de bons et de loyaux chats. Et loyaux chats. Il y a de bons et de bons et loyaux chats. De boyaux. De boyaux et l'eau chat. Et de l'eau chaude. Et de l'eau chat. Il y a des bruits. C'est une roquette que vous avez dans votre pochette ? Dans votre raccoon ? C'est une roquette que vous avez... Oh, putain ! C'est une raquette que vous... C'est une raquette ! Le gars, je raconte. Vous avez une roquette dans votre pochette. C'est quand même triste, hein. Question de Plume Lunaire Draw. Comment de mange... Comment Combien de mangues as-tu mangé ? Attends. Elle est bien ! Elle est bien ! Tu préfères les chocolatines ? Pas de soucis, on arrive. On recommence. Alors, deux questions qui viennent juste d'être ajoutées. Alors, non, pas deux questions. Tu voudrais faire quoi plus tard ? Quels sont tes objets ? Continue, c'est pas grave. Quels sont tes objectifs sur non, YouTube ? Ta gueule. Et les poulpes ? Je préfère la viande rouge. Combien de manges as-tu mangé ? Mange. Non, attends, quoi. Tu peux continuer ou on va couper ? Alors, Ah, putain, y'a un truc qui m'est rentré dans l'oreille. On va pas le couper.